foutu. Hey, pas comme ça, lui. Pardon, pardon, je m'en suis pris. Pardon, bien foutu, oh. Que viens-tu juste de dire? Madame. Tu me dis bonsoir à 7h de la journée. Es-tu sûr que ta montre fonctionne? La prochaine fois, vérifie-la avant de saluer quelqu'un. Madame, ce n'est pas que je ne sais que saluer bonsoir. C'est que chaque fois que vous sortez de cette maison, je vous salue bonjour. Et chaque fois que vous rentrez, je vous salue bonsoir. Mais madame, vous avez oublié quelque chose? Tu vas bien? Maintenant, tu me questionnes dans ma propre maison? Non, madame. Attends, attends. Y a-t-il un moment précis pour entrer chez moi? Madame, madame, ce n'est pas que je vous pose des questions dans votre maison. Désolé. C'est que, madame, habituellement, vous sortez le matin et vous revenez le soir. Madame, je me demande juste pourquoi vous êtes revenue à 7h. C'est que, désolé, madame. Regarde-toi. Monsieur de la sécurité, je t'ai employé pour garder mon portail et non me questionner. Désolé, madame. Maintenant, rentre à ton poste. Merci, madame. Hey. Hey, vraiment, le boss est rentré dans des ennuis. Hey. C'est quelle histoire, ça? Je dis où le boss a décidé juste de... Hey, je ne sais pas dans quoi le boss est mis. Je suis dans la chambre en train de regarder un film d'animation et voilà, madame vient d'arriver. Shit. Comment vais-je gérer ça? Oh. Je croyais que tu as dit qu'elle ne rentrait pas si tôt. Tout simplement, habite, va-t'en. Qu'est-ce que tu dis, Bill? Vas-tu me laisser comme ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que nous sommes déjà coupables. Alors finissons-en. Tu dis quoi, Sophie? Tu devras te presser à quitter cette maison là. Ça, c'est ma femme. Va. Laisse-moi. S'il te plaît, je ne sais pas comment tu m'as entraîné dans tout ceci. Je ne sais pas comment tu m'as mis dans ce pétrin. S'il te plaît, va-t'en. D'accord, calme-toi.
Écoute, ceci était une erreur, tu m'entends? C'était une erreur! S'il te plaît, lève le pas! Vas-y, va, non, va! Qu'est-ce que tu fais encore? S'il te plaît, vas-y, va! S'il te plaît, va-t'en! Pars! Aïe! Dieu! Oh Dieu! Salomon! Salomon! Patron, vous m'appelez? Vas-y. Ah. Désolé, patron. J'étais occupé à l'intérieur en faisant certains travaux techniques. Madame est rentrée du travail en voiture. Patron, bien sûr qu'elle est allée avec vous. En fait, je suis celui qui lui a officiellement ouvert le portail quand elle partait. Alors, comment se fait-il que je ne l'ai pas suivi quand elle est entrée ou bien quand elle a garé à l'intérieur? Patron, je ne sais pas où. Peut-être vous êtes occupé à faire quelque chose. J'étais occupé à l'intérieur. Désolé, patron. Patron, je n'ai rien dit. Je t'emmerde, tiens. Merci, patron. Stupide que tu sois, tu veux regagner ton poste? Désolé, patron. Ah, regarde le boss. Oh. Regarde le boss. C'est ce genre de choses dont le boss profite. Regarde cette jolie Tanti. Tanti Esta, avec son joli derrière. Patron, ah, j'espère que madame ne l'a pas attrapé. Oh. Parce que si madame l'attrape, le boss le saura. D'ailleurs, le boss va faire le choix entre la grosse et la petite. Tant que le boss profite aussi des grosses. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? En tout cas, ce risque valait la peine. Je ne l'ai jamais ressenti aussi bon. Il connaît vraiment le point idéal pour toucher une femme. Oh Tchétha, il a fallu un temps. Sois peu pour que tu apparaisses de nulle part et au juste au moment où je prenais mon pied. Donc c'est ça que tu savourais tout seul. Pardon de le dire, plus maintenant. Parce que maintenant, il y aura vraiment un match. Ça va. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. J'ai dit, tu n'as pas à me donner d'explications. J'ai compris. Tu as mangé? Oh, oui, non, non. Alors, non. Qu'est-ce que tu veux manger? Du riz? Du swallow? Tout ce que tu auras choisi. Ok, ça c'est mon chéri. Assieds-toi. Assieds-toi là. Relaxe-toi. Je vais cuisiner quelque chose de spécial pour le deux. Ok, bisous. Je reviens. Juste relaxe-toi, chérie. Je vais cuisiner quelque chose de spécial. Faire un homme se trouvant dans une situation pareille. Je me rappelle que la dernière chose que j'ai faite a mis en cause ma fidélité.
elle connaît sûrement la meilleure chose à faire. Une femme comme elle, faire comme si elle ne connaissait rien alors qu'elle le sait. Arrête de réfléchir sur cette histoire. Pense plutôt comment résoudre ça. Il est possible qu'elle pense lorsqu'elle dit que ce n'est pas grave. Je suis tellement désolée de ce qui s'est passé. Je suis désolée pour tout ce que j'ai pu te causer. Mais c'était tellement secret. Vraiment. C'était tellement délicieux. Écoute. Laissons cette affaire comme ça, ok? Le plus important pour moi maintenant, c'est de trouver comment affronter ton ami. Je souhaite que Tiaka soit plus calme. Hé, bébé. Le repas est servi. Okay. Pourquoi tu ne t'habilles pas et qu'on aille manger? Ok, je te retrouve. Je n'ai pas envie que ça se refroidisse. Ok. Tu sais que c'est bien de manger chaud. Ok, je me nettoie, juste ne t'inquiète pas, ce ne sera pas froid. D'accord, je vais t'attendre en bas. D'accord. Ok. D'accord. Ok, maintenant écoute. N'appelle plus jamais à ce numéro. Comme je te l'ai dit, il y a déjà eu trop de dommages. Quoi de neuf, non? Nous sommes là, nous sommes toujours là. Ce gars ne veut pas sortir. J'ai compris, je suis déjà fait. Nous attendons juste qu'il sorte. C'est quoi d'appeler? Ou alors, appelle la personne avec qui nous sommes supposés gérer cette affaire qu'elle sorte, non? C'est quoi ton problème? Ne veux-tu pas qu'on finisse son kit d'ici? Ou tu penses que je suis fier de rester là à regarder les images? La personne que nous sommes supposés venir attendre, c'est elle que tu vas appeler au téléphone. Ne te mets pas la pression, il va sortir, non? Pardon, qu'il sorte, dis donc, qu'il sorte et qu'on finisse avec son flocon d'ici. Gars, regarde le genre de publication qu'un gars a posté ici. Il dit que sa femme l'a surpris avec une autre femme au Lio. Et malgré ça, elle a cuisiné et lui donné de manger. Il nous demande ce qu'on fera à sa place. Le gars dit qu'il a supplié sa femme et sa femme dit qu'il n'y a pas de problème. Eh, si c'est moi, je vais prendre, non, et rien ne m'arrive. C'est moi, je prends la nourriture, rien ne va arriver. Comme si tu as oublié ce qu'on appelle poison.
Et si la goa a mis le poison dans la nourriture pour que lorsque le gars mange, il finit par mourir? Tu ne réfléchis même pas, tu ne fais que... Il ne peut pas finir comme ça, mon gars. Parce qu'il a supplié en lui disant qu'il est désolé. Moi, je vais manger la nourriture, non. Je vais manger, si elle décide de partager cette nourriture avec moi, je vais manger, non. Elle peut manger la nourriture avec toi. Après, te dit qu'elle sort un peu et aller boire quelque chose qui fera en sorte que ce poison ne la tue pas. Et dès qu'elle saura que tu es mort, elle viendra vérifier et après partir. Mon gars, écoute, c'est ce que nous attendons depuis qu'il me quitte comme ça. Mais pour moi, je sais pas si cette femme peut en finir avec la vie de cette personne. Gars, c'est excusé. Elle dit rien ne s'est passé. Elle va le tuer parce qu'elle croit qu'il a accouché avec une autre. Tout ceci se passe de jour en jour. C'est quelque chose de normal que ça arrive. Elle dit qu'elle va le tuer. Pourquoi elle va-t-elle le tuer? C'est vraiment stupide. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est cette personne qui me garde. Je dois le voir sortir de là. Les alentours ne sont pas clairs, mon gars. Et toi-même. Alors maintenant, si c'est toi, que conseillerais-tu au gars? Et son vie compte maintenant. Est-ce que tu pourras lui dire si c'était toi? Moi-même, ah. S'il faut commenter, je vais commenter où? Ils doivent gâter, à mon avis, si j'étais ce gars. On devrait... Attends, j'envoie ce commentaire. Ça, là, ça. C'est pas le genre de situation avec laquelle on blâme mon frère. Tu sais bien que c'est lui qui cherche. Je pense que c'est toi qui peux manger cette nourriture. Je vais prendre parce que moi, je peux pas toucher à ce genre de choses. Mais si c'est le truc que tu connais là, je vais sauter sur sa partie. Rien ne va m'arriver. Stupide garçon. C'est tout ce que tu sais faire. Ok, gars, dépêche-toi pas d'ici. Je peux plus rester là. Madame, vous m'avez appelé. As-tu vu mon mari quelque part dans la maison? Voulez-vous dire le patron? Oui, il est où? Le patron est dans la cour en train de se détendre. Tu peux rentrer à ton poste maintenant. Madame, c'est tout? J'ai dit que tu peux rentrer à ton poste. Comme un poisson. Chérie. Ah. Oh, bébé. Pourquoi tu n'as pas mangé ta nourriture? Oh, bien. Je voulais... J'ai pris mon temps pour cuisiner cette nourriture. J'ai quitté le travail tôt pour venir passer mon temps avec toi. Bébé. Et pour te faire un repas délicieux. Et qu'est-ce que je reçois? Une nourriture intouchable. Oh bébé, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne permettrai en aucun cas que tes efforts soient en vain. Tu sais que je t'aime. Et tout ce que tu fais en ce moment me plaît. Je n'ai pas touché au repas parce que il est bien que on mange en couple. En plus, j'attendais juste que tu aies faim pour que nous puissions manger ensemble. C'est romantique. Alors... Allons-y manger. Maintenant? Ok. Allons-y. Je ne mange pas encore. Oh, tu sais, les femmes d'abord. Ça, c'est très romantique. C'est très romantique. S'il y a le poison dans ce repas, je mourrai certainement après avoir mangé. Mais si elle y avait mis quelque chose avant,
elle ne le mangerait pas. Elle a mangé. Attends, sauf si elle a l'antidote de ce poison. Elle ira juste. Oh mon Dieu, Bill. Dans quoi t'es-tu fourré? Putain. Mais j'ai besoin de me rassurer. Oh. Tu n'aimes pas? Tu peux aller réchauffer la sauce et faire le soin pour toi. Bébé, ça va. Bébé, pourquoi me traites-tu comme ça? Que veux-tu dire? Je veux dire, explique-toi. Je veux dire, tout ce que tu fais aujourd'hui est extra. Trop d'attention, trop d'amour, grand repas. Pourquoi? En quoi prendre mes responsabilités devient-il une punition? Lorsque je suis devenue ta femme, cela a toujours été mon devoir en tant qu'épouse de te servir, de cuisiner pour toi. Alors pourquoi c'est une punition? Je prends toujours un peu de recul devant une situation. Tu ne vas pas espérer que je vais sauter directement sur le repas sans toutefois discuter de ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Je n'ai rien vu. En fait, je n'ai rien vu que je me souvienne. Non, comment? Sois sérieuse pour une fois, s'il te plaît. Sois sérieuse, je veux dire. Tu m'as surpris dans une mauvaise posture avec ta collègue et... Je t'ai dit, je n'ai rien vu. Rien du tout. Bébé, tu vas bien? C'est quoi le problème? Tu criais comme si quelqu'un t'étranglait dans ton rêve. Tu vas bien?
Tu agis bizarrement. Bébé. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Bill! D'accord, il a résisté. Il a essayé tout ce qu'il pouvait, mais comme tu voulais le savoir, ton mari est tombé comme tout homme peut tomber avec ça. D'accord? Donc, de toutes les façons, cet homme ne mérite pas le traitement que tu lui as. C'est un homme très gentil. Ferme ta bouche! Ferme ta bouche et guette tes stupides compliments. Je t'ai attrapé en train de coucher avec mon mari hier. Et en fait, tu n'as pas eu le culot de prendre ton téléphone et de m'appeler pour t'excuser. Tu es la cause. Non, peu importe. J'ai refusé et tu m'avais persuadé. Tu étais supposé coucher avec lui? Hmm? Tu étais supposé coucher avec lui? Et même s'il est tombé comme d'autres hommes, qu'est-ce que tu étais supposé faire en tant qu'une amie? T'enfuis! T'enfuis! Bien. Parlons de ça. J'ai essayé, ok? J'ai tout fait pour être dans le personnage, d'accord? Tout ce que je voulais faire pour atteindre ton résultat. Mais chérie, ton mari, là, sait comment toucher une femme. Il est tellement professionnel. Il sait exactement l'endroit où il faut toucher une femme. Je ne connais pas la magie qu'il a utilisée pour que je puisse atteindre mon orgasme. Se laisser aller comme... Tu es malade? Quelque chose ne va pas avec toi? Comment oses-tu te tenir la main regardant et parler de mon mari de cette manière? Nicky, n'essaie plus jamais. Tu as osé poser tes mains sur moi alors que tu es l'auteur de tout ceci. Et je le ferai encore. Tu l'as voulu. Ok, fais juste comme je t'ai dit, d'accord? D'accord, pas de problème. Ok. Madame, alors, tu as repensé à ce que je t'ai dit? De quoi parlons-nous exactement ici? Vraiment? Mm-hmm. Tester la fidélité de mon mari. Attends, j'ai cru que tu blaguais. Tu étais sérieuse? C'est l'un de tes plans? Pourquoi je m'amuserais avec quelque chose comme ça? Je n'ai jamais été plus sérieuse. Je veux dire, vous n'arrêtez pas de me dire comment il est... C'est magnifique, unique, parfait. Et je suis le diable. Alors j'ai décidé, tu sais, d'enlever ça dans mon système pour être sûr. Oui, qu'il est vraiment ce qu'on dit qu'il est. Chérie, réalises-tu le risque dont tu demandes? Comme les hommes peuvent céder à n'importe quoi. Ce n'est pas un problème, non? Est-ce que c'est un problème? Tu vas le faire ou pas? D'accord. D'accord, madame, c'est pas grave. Alors dis-moi. Comment vais-je m'y prendre? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire... Vraiment? Avec tout ce que tu as là? Moi, je dois te dire comment faire. Je te le dis. Puisque tu le demandes. Premièrement, tu vas juste exposer ici. Laisse-moi te montrer. Expose juste ta poitrine. Non!
Tu sais, tu dois juste bouger comme ceci. Après, tu te tiens comme ça. Et tu vas voir si tu ne vas pas tomber. Et après, tu croises tes jambes. Tu vois? Après, on va voir si tu ne vas pas tomber. Si ce n'est pas un non. Chérie, je pense que c'est pas une bonne idée. Je suis très très sérieuse. Tu vas le faire ou pas? Ton mari t'aime, tu n'as pas besoin de faire cela. Oh, s'il te plaît, oublie l'autre là. C'est vrai, tu vas le faire ou pas? Je t'ai prévenu. Ne l'ai-je pas fait? Mais tu insistais que je teste ton mari. C'était juste un script. Tout ce que j'avais fait, c'est de jouer mon rôle. Tu devais m'applaudir au lieu de mettre tes mains inutiles sur moi. Je n'ai jamais pu comprendre les femmes. Dieu t'a donné un homme gentil et loyal. Et qu'en as-tu fait avec? Tu as joué hanky-panky. Peut-être tu ne le sais pas. Je suis amoureuse de ton mari. Oui, je l'ai rencontré la première. Mais tu es arrivée jouant la fille de Bruce et tu me l'as arrachée. Tu t'en souviens? Tu dois regarder cet endroit. Tu regardes toutes les choses qui vont avec. Tu ne sois pas confus. Hey, ma copine. Hey, chérie, comment tu vas? Chérie, pourquoi veux-tu toujours nous opprimer avec ta splendeur? Pourquoi? Regarde-moi qui parle. Vraiment. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas, non? Tu te promets dans toute la ville. Grande fille. N'est-ce pas? Voici B, le nouveau assistant de bureau. Assistant en même temps chauffeur. Bill, voici Cheta, la fille du boss. Salut. Salut. Oh, bien. C'est bien de vous rencontrer enfin. Vraiment? Bien, j'ai beaucoup entendu de bonnes choses sur toi. J'espère que la personne qui t'a parlé de moi t'a dit le nécessaire. Ouais, des choses bien sur toi. Est-ce que mon père est dans son bureau? Oh oui, il est là. J'ai envie d'emprunter sa voiture. Comme d'habitude. Ah. Regarde ici. Oui. Oui. On s'entendait tellement bien. J'étais la seule personne qui était près de lui dans ce bureau. Jusqu'à ce jour où tu t'es montré. Donc, tu commences ici et tu viens vérifier ici si tout est ok, d'accord? Si tout, okay. Si tout est en place. Je n'ai pas envie de faire des erreurs, alors je vais laisser ça pour toi pour que tu puisses... Bill? Monsieur! Je veux que tu emmènes ma fille au centre commercial. Tu l'attends et après tu l'emmènes à la maison avant de venir au bureau. Ok, monsieur. Attends. N'oublie pas d'appeler le mécanicien pour réparer son véhicule. Et fais ça le plus rapidement possible. D'accord, monsieur. Tu peux partir maintenant. Oh, merci beaucoup, papa. Je t'en prie, mon amour. Tu es le meilleur. Okay. On se voit plus tard. Ouais. Je dois m'en aller. Ouais, ok. Ok, bye. D'accord. D'accord. Et c'est comme ça que je l'ai perdu. Oui, il me donnait l'impression qu'il m'aimait. Et j'étais là patiemment à attendre pour qu'il vienne me dire quelque chose. Spécialement parce qu'il était encore nouveau. Et boum, tu me l'as pris. Tu ne peux pas imaginer comment j'ai eu terriblement peur. Quand je vous voyais ensemble, partout, en route, à la plage, au cinéma. C'était pénible. Il t'a choisi au lieu de moi. Peut-être parce que je n'étais pas le modèle ou la fille du boss. Il m'a choisi moi, pas toi. Parce que je lui ai donné une raison de vivre. Je lui ai donné la confiance en tant qu'un homme. J'ai fait de lui un homme. Je l'ai fait. Et alors? Alors, qu'as-tu vraiment fait?
Tu as chuté changer sa garde-robe et lui donner un meilleur poste à la société de ton père? Ok. Est-ce une raison suffisante pour le traiter comme tu le fais? Quelqu'un doit parler pour lui. Et je présume que cette personne, c'est toi, le sauveur. Bien. Comme les signes s'en vont, peu importe la face de celui qui a la première bâche, ce qu'il faut, c'est de sauver son image. Tu sais de quoi je parle? Peu importe celui qui est le messager, Bill mérite d'être bien traité. Peut-être tu devais plus te concentrer d'être une bonne femme et laisser ses enfants vivre si tu sais de quoi je parle. Tu n'avais pas besoin de tester ou d'avoir ce désir ardent de tester ton mari. Oui. Ceci n'est pas que terminé. En passant, pourquoi tu ne te fais pas une vie? Vieille femme, arrête d'être nourrie par ton oncle. Bébé, je te le dis, je suis vraiment désolé, ok? Je t'ai juste dit la vérité. Je veux dire, elle est venue ici et je lui ai demandé de rentrer. Et elle a voulu que je ne sais pas... C'est bon. Je ne te blâme pas. Je me blâme. Non, 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 bébé, non. Si seulement j'avais pu accomplir mon devoir en tant que femme. En te donnant des enfants qui courront de partout à la maison. Hey, va, je vais dire, peut-être, tu serais un nom plus éparpillé. Non, bébé, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne sois pas dur avec toi-même, s'il te plaît. Tu n'es pas seul à te soucier. Nous sommes ensemble. Oui, je m'en veux tellement. Tu sais, si ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, nous ne serions pas en train de parler de la sorte. Je regrette tout. Crois-moi. Et à côté, je pense que tout ira bien. Bébé. Mon Dieu. Qu'est-ce que je me suis fait? Comment suis-je arrivée à ce point? Je suis finalement perdue. Enceinte d'un homme qui n'est même pas mon mari. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, non. L'avortement n'est même pas une option. Comment vais-je cacher ma face avec toute cette honte? Aide-moi, mon Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Fais-tu ici? Pourquoi ne prends-tu plus mes appels? Je ne comprends pas quel genre de jeu tu as pu jouer ce jour-là. Écoute, tu l'as provoqué. Tu me laisses. Tu es venu intentionnellement me rendre visite, sachant que ton amie Nkita serait absente. Nous devrions avoir honte et chercher à arranger l'erreur que nous avons commise. Arrête de me faire croire que je suis un démon. J'ai refusé, elle a insisté. C'était son idée. Tu n'es pas sérieuse. Thank you.
Prenez ceci. Très bien. Pourrons-nous aller faire autre chose qui pourra me droguer? Désolé, je ne vous ai vraiment pas bien saisi, madame. Mais si vous faites référence à la drogue, je viens juste de vérifier votre utérus pour m'assurer qu'il est prêt pour l'accouchement. Et vous pouvez bien tirer cette conclusion sans vérifier. Écoutez, je suis pharmacien et vous êtes juste un médecin. Se basant sur ce fait, je connais les médicaments mieux que vous. Je voulais juste... J'ai beaucoup entendu parler de vous, de votre habitude de coucher avec les femmes enceintes. En fait, c'est pour cette raison que je suis ici. Je suis venue ici pour vous. Je suis désolée, je vais... Non. Madame Ebenezer était justement en train de partir. Ça va, vous pouvez entrer. S'il vous plaît, asseyez-vous. Donc, je... C'est bon. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. C'est ta vie. Ok, d'accord. Si tu l'es dit. Alors, dis-moi. Comme vaut l'honneur de cette suprême. Je veux dire, je ne vous attendais pas. Je suis prête à voir les enfants de mon mari. Mais le problème est que j'ai tellement déjà essayé. Mais ça ne marche pas. Les enfants? Oui. Je pense que nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Ce que vous savez, c'est ce qu'on appelle un con. S'il vous plaît, pouvez-vous juste arrêter? Essayons d'oublier ce que vous avez dit. Êtes-vous en train de me dire qu'il n'y a plus rien que vous puissiez faire pour que je conçoive à nouveau? Il n'y a rien, médicalement parlant. Mais si vous voulez que je vous soutienne dans votre voie, je vous conseillerais de soumettre votre mari à une activité sexuelle intense au bon moment. Et aussi, voilà, l'ovulation est la période des menstrues, c'est la période d'attaque. Qui sait, peut-être le miracle pourra se produire. Salut Bill. Bill, nous devons parler. Il est évident que nous devons corriger nos erreurs, comme tu le dis. Alors comment cela se passera-t-il? Tu sais ce qui est amusant, Bill? Juste que la dernière fois, tu me touchais comme si ta vie en dépendait.
Maintenant, je te dérange? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je vienne chez toi ce soir comme une invitée? Bien. Puisque tu es là, je peux maintenant commander. Non. S'il te plaît, allons tout droit au but, ok? Je t'écoute. Bill, ça ce n'est pas toi. Tu ne peux pas inviter une femme dans un restaurant aussi chic sans lui offrir un repas. Ce n'est pas toi. Esther, je n'ai pas de temps pour ça maintenant. Du tout. Ok, bien. Passe ta commande. Moi, je n'ai pas faim. C'est bon. Pourquoi tu réagis comme si tu me détestais? Pourquoi tu réagis comme si ma présence te dérangeait? Je devrais être celle qui t'a libéré de... Me libérer de quoi? Hein? Laisse tomber. Esther, pourquoi tu ne veux pas comprendre que nous avons commis une erreur phénoménale? Nous avons fait ce que nous n'étions pas supposés faire. J'ai besoin de paix sous l'autorité de Dieu, avec ma femme, avec mon corps. Je te contredis quand tu dis que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, toi et moi nous le savons. Mais Esther, je suis mariée, regarde. Avec ton ami. Et je l'ai épousée dans le droit et le respect. Elle ne te mérite pas. Elle ne te mérite pas, Bill. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une femme qui t'aime, te chérit. Une femme qui sera heureuse de te donner des enfants. Celle-là même qui sera contente de te donner des enfants, Bill. Et non, une femme qui vit comme un célibataire, bien qu'elle soit mariée, et qui dit à tout le monde que tu vis accrochée à la fortune de son père. Assez de tout ça! M'as-tu fait venir ici pour m'insulter? Oh, merci de m'avoir rappelé que je n'ai pas d'enfant. Bien. C'est la dernière fois que j'en parle. Tu n'es pas Dieu. Qui es-tu? Je ne me moque pas de toi. D'accord? Le seul problème ici, c'est que tu es... bêtement amoureux d'une femme dont tu n'as aucune idée de qui elle est. Que veux-tu insinuer par là? Elle est la raison pour laquelle tu n'as pas d'enfant, Bill. Quoi? Je sais qu'il t'est difficile de le croire, mais c'est la vérité. Quelle vérité? De quoi est-ce que tu parles? Désolé. Doucement. Désolé. Doucement. Désolé. Essaye de marcher un peu. Désolé. 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 Hein? Pourquoi t'infliges-tu tout ça? Tu étais déjà à 4 mois. Tu veux mourir? La douleur est énorme. Je jure que c'est la dernière fois. Je ne vais plus jamais le faire. Je ne vais plus le faire. La douleur est énorme. C'est énorme. Tata, tu es une femme mariée, tu le sais bien. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Tu sais quoi? Tout ceci, c'est parce que la publicité de ce contrat est très importante pour moi. Il fallait absolument que je le fasse. Il pensait que ça allait changer mon corps. Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends vraiment parler? Tu mets ta carrière avant ta famille? Vraiment? S'il te plaît, arrête de le blâmer, non? Je savais que tu allais dire ça. Pardon. Essaye un peu de t'allonger. Je laisse-moi de ce côté.
Honnêtement, je suis déçue par ce docteur Paul. Comment penses-tu cacher cela à ton mari maintenant? Hein? Je sais qu'ils t'ont fait croire que c'est de ta faute. Je sais qu'ils t'ont dessus et te faire croire que pendant tout ce temps, que c'est de ta faute que tu ne pouvais pas faire d'enfant. Tu sais quoi? Elle a fait 3 avortements. Juste parce qu'elle était tellement attachée à sa maudite carrière. Il... Qui... Qui est qui? Docteur Paul est ta femme. Quoi? Bien, quel que soit ce que tu feras, c'est bien. Mais ce contrat est comme un miracle. Sais-tu combien de temps je cours après ce contrat? Je suis derrière ce contrat, Dieu seul sait, depuis très longtemps. Et finalement, Monsieur Puce, le responsable marketing m'a appelé ce soir. Il m'a dit que le directeur m'a sélectionné pour l'évaluation finale ce lundi. Lundi? Au fait, tu n'es pas supposé prendre le travail quand ce serait possible? Bill, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste être optimiste? Ok, ok, désolé, tu sais, je pensais juste à haute voix. Bébé. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, j'ai juste cette petite fièvre qui me dérange. Fièvre? Ah, quelque chose sent. Tu es enceinte? T'as Dieu ne plaise. Hey. Je ne peux pas être enceinte. Hey, stop. Ça, c'est un mauvais souhait, ok? Je veux dire... Où est le problème si tu es enceinte? Non, ce n'est pas comme ça. Je ne pense pas... je ne pense pas être enceinte. Peu importe ce que c'est. Tout va bien se passer, mais tu dois voir un docteur. Je le ferai. J'étais en train de te parler de quelque chose de très important. Ce contrat, c'est ma vie. Pas comme ça, mais c'est très important que... J'ai ce contrat, alors je dois travailler dur pour me rassurer de la voix et rien ne va me stopper. Je veux dire, rien ne va me stopper. Bill, allons-nous? Hey Bill, comment vas-tu frère? Tu veux me voir? D'accord, je suis à mon centre de relaxation favori. Tu sais, la vie c'est ça. Ok, à bientôt alors. D'accord frère. Tu pues. Tu commets des crimes. Tu es un meurtrier. Quoi ah. Ces insultes. Viens ici. Viens là. Perds la tête. Viens. Pourquoi tu veux me tuer? Passe ici. Tu vas mourir aujourd'hui. Okay. Ça va. Je vais te dire tout ce que je sais. Je vais te dire. Combien d'apportements as-tu sexuels? Avortement, c'est qui?
N'essaie même plus de me poser de bêtes questions. Je dis, combien de mes enfants as-tu fait avorter? Akita, c'est ce qu'elle t'a dit? C'est terminé avec ce business. Tu m'entends bien? Ma question c'est, combien de mes enfants as-tu fait avorter? Je ne sais pas ce qu'elle t'a vraiment dit, mais il faudrait que vous écoutiez toute la vérité de moi. Je vous dirai tout ce que vous voulez entendre. Idiot! Écoute-moi bien, si tu ne réponds pas à ma question, je vais te tuer ici et j'irai moi-même me livrer à la police. Alors, un, deux. Ok, attends, attends, s'il te plaît, attends, je vais parler. Écoute, tout était de ma faute. C'est votre femme qui est venue vers moi. Et on avait... Tu as fait avorter mes enfants. J'ai cherché cette opportunité. Dieu seul sait pendant combien de temps. La dernière chose qui me reste à faire, c'est ma signature pour l'Afrique du Sud. Je veux dire, tu dois comprendre mon désespoir. En mettant en danger ta propre vie. Zeta, ne m'as-tu pas entendu dire que tu étais déjà à 4 mois de grossesse? Est-ce que cela veut dire que c'est impossible? En fait, tu es le professionnel ici, non? Je connais les gens qui l'ont fait à 4 mois. Et certains l'ont fait plus. Pour t'éclaircir les idées, je ne suis pas encore à 4 mois. Je suis seulement à 3 mois plus. Maintenant, dans tout ceci, as-tu déjà arrêté de considérer Bill comme ton mari? Je suis marié pour l'amour de Dieu. Alors, pourquoi t'accroches-tu désespérément dans ta carrière de top modèle? Ah, ok, je comprends. Je veux te calmer. Calme-toi. Relaxe. Prends un peu de respiration. Je promets que ceci sera la dernière fois. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen de laisser vivre un démon comme toi. Tu ignorais que je savais juste que tu es à côté de moi. Que je suis présent. Je suis désolé. Pardon. Je suis vraiment désolé. Ça c'est la fin. Bienvenue, oh. Boss, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Et je vous salue, vous ne voulez pas me répondre. Moi, je ne comprends pas une telle maison, des messieurs comme ça.
Et bébé, comment tu vas? Comment était ta journée? C'est quoi ce silence? C'est quoi le... Garde maintenant de moi. Comment as-tu osé? Je t'aimais. J'avais confiance en toi. Et tout ce que tu as trouvé à faire, c'est le bon pour y arriver dans le dos. Excuse-toi. Je veux dire, tu es en train de parler avec moi parce que... Sérieusement, parce qu'il n'y a personne d'autre ici à part moi. Depuis 4 ans, j'étais à 4 ans de mariage, même pas un enfant issu de cette union. Et tu te sens à l'aise avec... Bill, comment oses-tu m'accuser ainsi? Je sais que le temps m'est passé, mais est-ce que je suis Dieu? Suis-je Dieu? Est-ce que nous n'étions pas à l'hôpital ensemble? Tu n'as pas compris ce que le docteur a dit? Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, la tienne. La tienne. Oh, ma faute? C'est quoi cette ironie? Oui, j'ai vécu toutes ces années avec une femme qui ne faisait qu'avorter mes enfants. Et qui essaie de me dire que c'est moi le coupable? Bébé, d'où est-ce que tu sors ça? Je veux dire, qui te l'a dit? Peut-être qu'il faudra aller demander à ton petit ami. Oh, ou mieux encore, ton partenaire du péché. Je crois qu'il va te donner l'ampleur de sa confession. Monsieur le patron. Ouvre le portail. Patron, vous voyagez? Donc, dites-en, ouvrez le portail, mon ami. Suis-je pas celle qui doit te demander ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, non, non! Je suis rentrée et je voulais causer avec lui. Il était fou et ses agissements étaient très étranges. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Et qu'est-ce que tu lui as dit?
Tu as dit à Bill. Qu'a-t-il dit? Que je lui ai dit. Ne joue pas la carte avec moi, pute. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Primo, je ne suis pas une pute. Secondo, je lui ai dit la vérité que tu refuses de le dire depuis tout ce temps. Vraiment? Tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Madame Esther, tu n'es pas un enfant. Tu devrais déjà être dans la maison de ton mari. Et maintenant, tu es ici à me dire comment je dois faire les choses avec mon mari. Comment je suis censée faire les choses avec mon mari? Qui es-tu? Je suis son messager. Oui. Je suis venue le libérer de ta stupide captivité. N'es-tu pas fatiguée de punir cet homme? N'es-tu pas fatiguée de le dénigrer? N'es-tu pas fatiguée de le traiter comme un fulque chien dans sa propre maison? S'il te plaît, n'ose plus jamais. Tu as essayé la première fois, je t'ai laissé. N'ose plus jamais le faire. N'as-tu pas pensé une seconde que tu as la raison de tout ce qui arrive? Tu es supposé être mon ami et non mon ennemi. Esther, je me suis confiée à toi. Non, pas toi, non. Maintenant que je veux avoir les enfants avec mon mari, si c'était une autre personne, je pourrais comprendre. Bill est parti de la maison. Il ne décroche plus à mes appels. Bien. La vérité est que je suis amoureuse de Bill. Oui, et toi et moi, nous savons qu'il m'a voulu en premier. Tu l'as repoussé. Tu l'as repoussé. Il t'a proposé de sortir avec lui et tu as refusé parce qu'il est un simple chauffeur. Il m'a proposé de sortir avec lui et j'accepte avec toutes ses imperfections. Et j'ai fait de lui un homme que tu as commencé à aimer. Oh non, c'est là où tu fais fausse route. Quand un homme demande à une femme de sortir avec, elle lui donne un peu de temps pour être sûre de ses sentiments. C'est ça que j'ai fait à Bill. Oui, et tu es venu, tu as paru nulle part avec des airs de la fille de boss. Et tu me l'as pris. Tu dois le laisser. Non, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Ceci doit s'arrêter. Non, tu ne l'aimes pas. Non, tu dois le laisser partir parce que tu ne l'aimes pas. Non, il ne l'aime pas. C'est moi qui l'aime. Il ne l'aime pas. C'est moi qui l'aime. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Esther. Il ne l'aime pas. Ça doit s'arrêter. Laisse-moi. Il ne l'aime pas. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Anita, qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas ton nom. Occupe-toi de toi-même. Bill, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va, ça va. Qu'elle laisse le mari des autres, qu'elle a cherché le sien. Mais attends, où est passée ta morale? Tu vas frapper sur une femme enceinte? Quoi? Oui, elle est enceinte. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et elle n'a pas avorté comme toi. Tu as avorté de mes enfants. Dis-le-lui. Bill. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée d'avoir mis ma carrière avant toi. Je suis désolée pour nos enfants. Je te promets que je suis prête à avoir tous les enfants que tu voudras dans cette vie. Je suis prête pour toi. Mais cette femme ici,
ne te mérite pas. Rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Mais stop! Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends ça? Je suis fatigué de tout ce temps que j'ai vécu avec toi dans la même maison comme un esclave. Oui, je suis fatigué. J'ai besoin de faire une pause en ce moment. Je veux dire, j'ai besoin d'essayer autre chose. Pardon? Oui. Tu as besoin de faire une pause et essayer autre chose. Tu as besoin de faire une pause pour être avec elle. C'est seulement sur mon cadavre. Je t'ai fait. Je t'ai nettoyé. Je t'ai pris dans la poussière contre la volonté de mes parents. Et j'ai fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et tu penses que tu vas m'abandonner et être avec elle? Écoute-moi. Si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Parlant du message que je t'ai envoyé, je suis à 2 mois. Je suis enceinte de toi. Et comment es-tu sûre que c'est le mien? Je ne suis pas sortie avec un homme, ça fait 6 mois de cela. Excepté toi. Et si cela ne te plaît pas, c'est bon. Tu dis même quoi exactement? Alors que veux-tu faire avec le bébé? Bien, je ne sais pas. Mais j'ai promis à mes enfants de les avoir dans la maison de leur père. Écoute, Estin, je suis marié. Je suis marié avec ton ami. Il n'est pas possible que j'épouse 2 femmes. Peux-tu comprendre ça? Écoute, la seule chose que je peux te promettre, c'est je vous prendrai en charge, toi et le bébé. Tout ce dont tu auras besoin, je suis prête à participer. Bill, tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas en train de chercher un homme qui va payer mes factures. Je cherche un homme qui fera de moi une femme d'honneur. Tu sais quoi? Arrêtons tout ce drame. Restons juste sur ta première idée, d'accord? Qui est? Que ce que nous avons eu, c'était une erreur. Prenons juste chacun sa route. Tout ira bien. D'après tout. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Où est Bill? Tantine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tantine, je ne sais pas là où il vit maintenant. Je suis perdue. Alors, Jetta, juste calme-toi, calme-toi, ok? Explique-moi.
Tanti? Ah, Tanti Rebecca. Pardon, laisse-moi passer. Tante, vous deux là, allez faire ce que vous voulez là-bas. Cheta, Cheta, Bill, Bill, Cheta. On s'est dit que chacun devait rester de son côté. Pourquoi es-tu encore ici? J'ai cru que tu allais très loin comme il était convenu. Esther, je ne peux pas. Ne vois-tu pas que j'ai le trac? Je suis accroché à toi. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que tu as eu une partie de moi. Mon propre sang grandit en toi. Tu seras bientôt une mère, la mère de mon enfant. Et je veux être là où je m'enrôle du père quand mon enfant naîtra. Je veux dire, si tu me le permets. Je souhaiterais que ce soit différent. Je souhaiterais que ça fasse du mal à Cheta. Elle est la cause de tout ceci. Je lui ai parlé de mes sentiments, mais elle m'a choisi pour le faire. Et lorsque j'ai refusé, il m'a convaincu. Je ne pense pas que je te comprenne. Tu dis qu'elle est la cause de tout. Esther, qu'a-t-elle causé? Elle t'a convaincu de faire quoi? De séduire, de tester ta fidélité pour elle. C'était une opportunité pour moi d'être auprès de l'homme que j'ai admiré pendant tout ce temps. Pardon. Comment on va, Cheta? Cheta. Madame, que s'est-il vraiment passé? Je ne sais pas. Elle m'a appelé au téléphone pour me dire qu'elle voulait parler à quelqu'un. Sinon, j'ai eu peur. J'ai couru chez elle et je l'ai trouvée dans cette situation. Qu'en est-il de son mari, Bill? Je ne sais pas. Je l'appelle depuis au téléphone, mais il ne prend pas. S'il te plaît, quelle est sa condition en ce moment? Madame, j'ai peur, mais son état est vraiment inquiétant. Nous avons trouvé quelques substances néfastes dans son sang. Substances? Quel genre? En réalité, cette substance néfaste est un gaz empoisonné. C'est un produit chimique très dangereux. Nous avons trouvé ça dans son corps. Ce qui veut dire, soit elle a pris ça elle-même, ou quelqu'un d'autre lui en a donné. Ah, qui lui a fait ça? Oh, qui lui en veut au point de vouloir lui ôter la vie? Et le pire dans cette situation, c'est que Bill ne répond pas à ses appels.
S'il te plaît, quelle est la suite? Ce que nous avions pu faire, c'est d'évacuer la grande quantité de potassium hors de son corps. Mais vous savez comme bien sont délicates les entrailles d'une femme. Je le sais. Ce que nous devons faire, c'est de prier afin que ces complications soient réduites. Ok, merci. Allô, Tantine, bonjour. Que se passe-t-il? Je savais qu'elle allait vraiment te tourmenter. Crois-moi, tu peux croire à ce que je te dis. C'est ce qui s'est passé. Sauver sa vie, t'entends-tu par sauver sa vie? Tantine, Nchita va bien. Je suis sûr qu'elle cherchait juste de l'attention. Il s'agit de quel hôpital? Ce petit hôpital, c'est ça? D'accord. Nchita, tu vas bien? Ça va aller. D'accord? Hey, Bill, tu es là? Elle est comme ça depuis et elle refuse de parler. Dire ce qu'on voit dans les films où c'est vraiment arrivé entre Nchita et toi. Madame Rika, la seule raison pour laquelle je suis là, c'est parce qu'il y a une vie en danger. Et à cause du respect que j'ai pour toi, j'ai investi 6 ans dans ce mariage et il n'y a plus rien à faire pour ça. Pratiquement rien. J'ai essayé de faire de Nchita une femme honnête, mais tout ça en vain. Je l'ai aimée, je l'ai chérie, j'étais fidèle. Mais tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est des avortements. Allez. Oui, 3 fois de suite qu'elle a avorté mes enfants. Tu penses quoi de ça? Écoute, tante Rebecca, je n'en peux plus. C'est fini maintenant. Et ça, c'est la vérité. Je suis désolé, je dois partir maintenant. C'était la vérité. Ah, oui. Écoute, tante Rebecca, s'il te plaît, ne sois pas offensé. Ok? Pourquoi que ce soit concernant les factures de l'hôpital, j'en prendrai acte. Peut-être que je devrais voyager, aller loin d'ici. Essayer de retrouver mes esprits, faire une pause. Elle a besoin de toi plus que jamais. S'il y a un temps pour lui montrer ton amour, c'est maintenant. Bonjour mesdames et messieurs, je suis l'inspecteur Ifri du commissariat de Ioki et ce sont mes collègues. Correct, je suis le docteur Paul. Qu'est-ce que l'hôpital et moi pouvons faire pour vous? Bien, docteur Paul, nous avons des plaintes sur des activités médicales illégales se pratiquant dans cet hôpital et nous avons mandat de le fermer temporairement.
Nous demandons également que vous remettiez votre licence médicale jusqu'à la fin des investigations. Mais ça, c'est de la folie! De quelle activité médicale illicite êtes-vous en train de parler ici? Écoutez, je suis un gynécologue de l'université Saint-Louis de Makodi. Et j'ai ma licence pour ton emploi d'exercice. Bien, monsieur, vous devez nous suivre jusqu'au poste pour connaître toutes les charges contre vous. Lieutenant, monsieur, faites sortir les patients qui sont encore dans l'hôpital. Faites-le maintenant. S'il vous plaît, monsieur, à votre bureau. Bougez-vous. Bougez-vous vite. Qu'est-ce que ça passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça. Je sais que j'ai pris les mauvaises décisions. Je voudrais que tout revienne comme avant. Je les regrette. Toutes. Je souhaite pouvoir les ramener. Je souhaite pouvoir les ramener. Ben. Ben, comment vas-tu? Bien, tantôt. J'étais à l'hôpital et il a été fermé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que mes larmes ne signifient rien pour toi maintenant. Je sais que ça ne serait jamais assez pour t'exprimer combien je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. La chose que je veux entendre de toi, c'est de me dire que tu me pardonnes. Je suis désolée d'avoir mis ma carrière avant toi, avant nos enfants. Et tout ce que je n'ai pas fait pour ça avant notre mariage. Pardonne-moi. Jita, j'ai toujours pardonné tous tes manquements. Sans condition. Je t'aimais. Je ne peux te pardonner qu'à une seule condition. Ok. Quel que soit ce que c'est, je te dis et je l'accepte. Que tu me pardonnes, Esther et moi. Après tout ceci, elle t'aime toujours. Tire un trait dessus. Ok. Ok. Je te pardonne. Je pardonne aussi, Esther. Je vous pardonne. Lequel. Je suis contente que tu apprécies Bill. Bonne nuit.
Je dirais que cette nourriture, elle est très bonne. Allons-y, mangeons. Désolé. Veuillez m'excuser. C'est important? Non. Ok. Merci d'être là. C'est tard. Tu vas bien? Je vais bien. Okay. Je disais juste que j'ai pris du temps pour cuisiner cette nourriture. Pourquoi ne pas commencer à manger notre nourriture? Oh, je pense que nous devons l'attendre pour qu'il puisse nous rejoindre pour manger. Tu es sûr? Allons-y, mangeons. C'est très beau. Teta, tu vas bien? Oui. Teta. Teta, tu vas bien? Tu vas bien? Maman, stop! Arrêtez! Stop! Ne mangez pas cette nourriture. Bibi, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? La nourriture est empoisonnée. Ah! Arrête, bébé. Non. C'est ça.